vous, ici Fred Laolès, et on se retrouve pour le quatrième épisode de notre petit UHC où je tape des moutons. Alors je baille. On est le 3 juillet, il faut savoir. Je vais vous raconter un petit peu my life. On est le 3 juillet et j'ai fait nuit blanche. Car je tourne, je tourne, je tourne, je tourne avant d'aller à la Japan pour ne pas criser sur les excusez-moi, sur les commoisies des hôtels, tout simplement. Donc voilà. Qu'est passat? Sherdock! Oula, début d'épisode, Sherdock. Ah ben, GG Sherdock. Alors moi, je marque jamais GG, hein, parce que, bon, une mort, je pense que c'est pas... Je sais pas. Je marque jamais GG. Même s'il le faut, même si c'est la règle, moi, je ne le fais pas. Ah mais vous étiez pas au courant? Je suis le dissident. Donc ouais, je marque jamais GG, moi. Alors, il n'y a pas de team, hein. Ils peuvent miner ensemble, mais à l'épisode 5, c'est guerre ouverte. Épisode 5, il y a plus de... C'est pour ça que, aussi, on n'était pas à l'épisode 5, on était en fin d'épisode 2 ou épisode 3. C'est pour ça que je les ai laissés tranquilles aussi, parce que, voilà, quoi, je suis pas... Un... Je suis un sadique, mais pas un salaud. Voilà, tout simplement. Hein. Alors, j'ai deux pommes. Si, oulala, et oh, vous alliez m'engueuler là. Là, les amis, vous alliez m'engueuler. Vous auriez eu raison. Regardez ça, les amis. Regardez ça, les amis. On va. Hop. Regardez ça. Si c'est-il pas beau, ça, les amis. On va faire cuire ça. Je vais me défausser de quelques trucs dans la flotte. Hop, par exemple, par exemple ça. Ça. Par exemple, ça on peut les mettre en un. Celui-là, il est tout seul. Argile durcie, c'est tout seul. TNT, je vais la garder même si je ne la... Les plumes, je vais les garder au cas où. On va faire fondre ces deux fers. Je suis tout en fer, oui. On va faire fondre ces deux fers, les garder précieusement aussi. Alors vous allez me dire, t'en es pas à ton premier PVP, Fred. Tu devrais être déjà stuff. Et tout. Ben, les amis, j'en suis pas à mon premier UHC, mais moi je fais à la fun, à la cool. Je veux dire, pour ceux qui ont suivi le Ragnar Humble, vous m'avez vu, hein, quand je suis mort, j'étais mort de rire, quoi.
Quand LinkedIn m'a tué, j'étais mais plié de rire, quoi. Je veux dire, on va pas se prendre la tête. On est là pour s'éclater, on est là pour mourir, de toute façon. Ça, c'est clair et net. Donc, autant s'éclater. Manger un petit coup. Hop, on peut pas aller par là. Le mur a dit non. The wall say no. Donc on va être obligé de refaire un petit bout de désert, chercher une grotte. Pourquoi faire? Essayer de trouver du diams. En fait, je fais mes épisodes UHC, je remarque comme des fois je fais mes épisodes un coup dehors, un coup dans les grottes, un coup dehors, un coup dans les grottes. C'est assez décousu en fait. Hein. Mais bon. C'est ma manière de voir le de faire l'UHC, je sais pas, c'est partir par là-bas. On va repartir par là-bas, mais là-bas c'est la jungle d'où on vient, il me semble. Il me semble. Là-bas il y a un temple, c'est pas le même temple, c'est pas le temple de. Ah si, c'est peut-être bien lui. Ouais, y a rien. Non, c'est pas le même, dites donc. Ah bah celui-là, attendez. Il a été pris celui-là. Ok. C'est de celui-là dont il parlait tout à l'heure. L'emmerdant, c'est que je veux pas vous donner des. Je veux pas vous donner des épisodes où je fais que miner, quoi. Pour ça que mes épisodes sont un peu plus décousus, un peu plus. Parce que c'est vrai qu'en UHC, c'est. Voilà, quoi. Miner, se stuffer et fight. Et j'ai pas envie de vous faire que des épisodes de grotte. Ça ne m'intéresse pas. Et je pense que ça ne vous intéresse pas. Donc là, on prend un peu de bouffe. On va. Là, avec du boulot, c'est un peu la merde. Mais si on trouve des chaînes, on essaiera de refaire de la pomme. C'est un peu la merde. Et là-bas, c'est forêt noire. On va éviter la forêt noire parce que même si on a Eternal Day, oula, là, si je tombe, c'est la cata, la catastrophe. Hop là. Et je ne parle pas de catastrophia. Si je tombe, c'est vraiment la cata. Là, regardez ça, regardez ça, regardez ça. Là, je tombe, c'est fini. C'est fini. Et là-bas, dans la forêt noire, même s'il fait jour, même s'il y a l'Eternal Day, il peut y avoir des mobs parce que
Parce que tout simplement que ces forêts noires sont des forêts qui renferment pas mal de mobs. Du fait que les arbres sont un peu... Du fait que les arbres sont espacés. Sont espacés. Ouh! Du fait que les arbres sont rapprochés. Au contraire, je pensais rapprocher, je vous ai dit espacer. Rapprocher et gros, ils forment une bonne protection pour les mobs. Et il suffit qu'il y ait des coins un peu plus sombres, propices au spawn. Et là, c'est mort, les amis. Autant vous le dire. Je vais essayer de faire. Nostal, you're not nostalgic. Oh, je ressors là, dites donc. Vraiment pas de peau, vraiment pas de peau. On va essayer de descendre quand même. Prendre un peu plus de risques quand même. Ah mais je tombe que sur des machins comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire? Le pire dans ces grottes-là, c'est soit les squelettes, soit les sorcières. Parce qu'en UHC, les sorcières, de base, elles vous laissent un demi-cœur. Si vous n'avez pas de seau de lait. Donc, je sais pas si... Après, vous pouvez toujours contrer avec la pomme, hein, quand vous avez une pomme. Mais de base, les sorcières, c'est un demi-cœur. Des arbres qui ont été coupés là. Alors depuis quelque temps, j'ai la chanson de Judas Priest, Diamond and Rust, dans la tête. C'est une chanson qui est assez triste, hein, qui parle d'une séparation douloureuse, on va dire. Elle est assez triste, cette chanson. La chanson est d'origine par John Baez et elle a été reprise par Judas Priest. Très très bonne reprise d'ailleurs. Bon, voilà. Je sais pas si ça vous intéresse, je pense pas, mais je vous le dis. Voilà. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, je me confesse. On va faire le tour, on va pas rester dans les eaux, j'aime pas rester dans Mais regardez-moi ces grottes, quoi. Je tourne en rond dans les grottes. Je m'enfonce pas, je remonte. C'est les grottes à l'envers. Je suis sûr que tout le monde est à la couchon. Il n'y a que moi qui ai des grottes remontantes. Non, j'arrêterai pas de dire des conneries. Oh oh. Non.
Ouais, mais Fred, les grottes remontantes. Si tu les prends dans l'autre sens, tu crois pas que ça ferait des grottes descendantes? Non, justement. Je pouvais pas comprendre. Oui, Jade, nous aussi. On y a déjà été à la limite. On s'en est même amusé joyeusement. Ah, voyez, elle remonte là. Oh God. Croyez que si je lui jette quelque chose. You're nostalgic. Waha! Hey, on s'en sort bien, les amis, hein? On s'en sort bien, moi je vous le dis, moi je vous le dis. Ah, ça descend de ce côté. Ça descend pour remonter. Yops. Ah, moi je vous le dis, on s'en sort bien, les amis. Non, ça descend. Alors, si vous entendez du bruit, si vous entendez du bruit, veuillez excuser ce bruit, car c'est les gamins qui jouent au ballon dans la cour. On peut pas aller. Ouais, ils sont en vacances, ils jouent au ballon. On ne peut point les blâmer, hein. Même si j'aimerais qu'ils jouent un petit peu moins près des fenêtres, mais écoutez. Arrête. Hein? De me courser. Je crois que Jade a fumé, les amis. Voilà. On récupère l'eau, ça peut toujours servir. Et pour faire une source pour balayer les mobs. Hop. Ce qui peut être très pratique. Et pour la lave en même temps. En tout cas, moi, en grotte, je n'y vais jamais sans un seau d'eau. Niveau fer, je pense que c'est bon. On va arrêter d'en récolter. On est stuffé. On essaiera de se faire peut-être un autre stuff. Alors, attendez. Paf. On va optimiser un petit peu. Là pour le moment. Tac. Forcément, j'ai tout mis là. Hop. Il y en a 6 poulets. Hop. Pas se faire chier. Fin de l'épisode 4. Eh bien, écoutez, bisous filles, amitié aux gars, et à très très bientôt. Bye bye!